Sur lui comme tu as déjà commencé. Et j'entends au-dedans de moi que nous sommes nombreux à soupirer. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous soupirons. Il y a tellement de cris à l'intérieur du cœur pour lesquels nous avons envie de dire Seigneur, j'avoue personnellement que je ne sais plus quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, mais au plus profond de moi, il y a un soupir profond. Et je ressens le soupir de plusieurs qui n'arrivent parfois pas à mettre un mot dessus. Mais s'il y a un mot qui doit résumer la combinaison et l'association, l'addition de ces cris intérieurs, c'est juste le mot gloire. Que l'on te voit, que l'on voit ta présence, ta puissance, ta parole, tes promesses, tes prodiges, tes miracles, tes signes. Fais de ma vie un signe, fais de ma vie un prodige, fais de ma vie une épître, fais de moi un témoignage, fais de moi un message, afin que je sois un messager. Je te prie, s'il y a un mot qui résume, c'est Shekinah, c'est gloire de Dieu, c'est Alléluia. Alléluia, ça veut dire Seigneur, il faut que ma vie se résume à la signature de ta main, à la signature de toi-même. Il faut que ma vie soit l'expression visible de Christ. Il faut que ma vie soit la manifestation visible de la trajectoire, de la pensée, de la parole que tu as prononcée sur ma vie. Je ne sais pas comment le dire. Mais au plus profond de moi, un mot résume cela. Parce que j'ai compris que gloire, alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ça veut dire, vas-y, je suis prêt, Saint-Esprit. Je suis prêt à ce que tu me soulèves ce soir. Je suis prêt à ce que tu me portes ce soir. Ah oui, une vie divinement portée, une vie divinement soulevée, une vie divinement favorisée, une vie divinement contrôlée, une vie divinement orchestrée, une vie divinement maîtrisée, une vie divinement propulsée, une vie divinement lancée. Ce soir, je ressens que tu n'as pas juste envie de chanter. Tu as envie de soupirer parce qu'il y a un soupir à l'intérieur. Il y a un gémissement. Ma Bible dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Je sens qu'il y a une personne qui soupire et qui attend avec un ardent désir sa manifestation en tant que fils de Dieu. Une personne soupire. Et lorsque tu as ce genre de soupir, tu es sur la voie de l'enfantement, tu es sur la voie de l'accouchement, tu es sur la voie de la manifestation. C'est ça l'impulsion, c'est ça le turbo, c'est ça l'injection, c'est ce soupir intérieur. Ce soir, tu n'as pas envie de chanter. Tu as envie de pousser des soupirs inexprimables. Ces soupirs sont plus profonds que la plupart des chansons que tu pourrais chanter.
Ses soupirs sont la combinaison de toutes les aspirations et les gémissements de nos cœurs, Père. À la Pentecôte, il soupirait. À la Pentecôte, il soupirait. À la Pentecôte, il gémissait. Comme Anne soupirait. Comme Anne gémissait. Parce que Dieu était déjà au courant de son dossier. Dieu savait qu'elle voulait un enfant. Il n'y avait rien de nouveau à demander à Dieu. Voilà pourquoi devant, dans le temple, devant le trône, Anne ne savait plus quoi dire. Anne soupirait. Anne gémissait. Anne languissait. Elle semblait se trimballer. Elle semblait ne pas savoir quoi dire. C'est parce que Dieu savait déjà ce qu'elle allait dire. Voilà pourquoi elle soupirait. Et je ressens un peuple en train de soupirer ce soir. Un peuple soupire. Chayarararamayere. Ce n'est pas une chanson, c'est un soupir. Ça veut dire il y en a assez, Dieu de miséricorde. Père de compassion, Père de miséricorde. Dieu qui pardonne, l'eau à la colère est riche en bonté. Entends les soupirs de nos cœurs. Entends les soupirs de nos cœurs. Entends ce peuple qui dit c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. C'est toi qui dois te manifester. C'est uniquement un mot, mais un soupir, ce n'est pas plusieurs paroles. Un soupir, ce n'est pas un cantique. Un soupir, c'est un murmure. C'est un mot seulement qui revient en boucle et qui revient en boucle et qui est en train de dire manifeste-toi, manifeste-toi, prends le chemin que tu veux, prends le sentier que tu veux, prends l'itinéraire que tu veux, mais atterris, 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 atterris comme un feu, atterris comme un vent, atterris comme une pluie, atterris comme tu veux. Je n'ai pas beaucoup de mots ce soir. Je n'ai pas beaucoup de conjugaisons. Je n'ai pas beaucoup de grammaire. Ah, mais dans la chambre haute, il n'y a pas beaucoup de grammaire. Il n'y a pas beaucoup de vocabulaire. Mais allez. Aïe, 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 la mama, aïe. Allez. Mara, mama, yere, mo, sakarama. Sayare, rema, naro, sayare. Aïe, aïe, la mama. Selere, rema, naro, sayare. Alléluia, ça veut dire, c'est une invitation, c'est un cri où tu es en train de dire à Dieu, fais comme tu veux, prends le chemin que tu veux, prends l'itinéraire que tu veux, prends la manifestation que tu veux, mais manifeste-toi, que ce soit une guérison,
que ce soit une délivrance, que ce soit un redressement, que ce soit un effacement de dette, que ce soit la conversion d'un enfant, la conversion d'un mari, que ce soit la délivrance de la drogue. Fais comme tu veux, mais il faut que ce soit ta manifestation. Alléluia, veut dire, fais comme tu veux, mais il faut que ce soit ta manifestation. Il faut que ce soit l'exaucement. Il faut que ce soit la manifestation d'un exaucement. Il faut que l'on sache que tu entends les cris. Il faut que l'on sache que mes prières ne sont pas vaines. Il faut que l'on sache que mes jeûnes ne sont pas vains. Il faut que l'on sache que mes moments de prière ne sont pas vains. Il faut que l'on sache que ma conversion n'est pas vaine. Il faut que l'on sache. Il faut que ceux qui se moquent de moi, il faut qu'ils soient confondus. Il faut que ceux qui se moquent de moi sachent que mon Rédempteur vit, qu'il n'a pas dit son dernier mot et que ce n'est pas fini. Il faut qu'ils sachent que j'ai une espérance de gloire. Christ est mon espérance de gloire. Il faut qu'ils sachent que quiconque espère en toi ne sera pas confondu. Il faut qu'ils sachent que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Il faut qu'ils sachent qu'en te choisissant, Jésus, j'ai choisi la bonne part, celle qui ne sera pas ôtée. Il faut qu'ils sachent pourquoi je témoigne, pourquoi je parle, pourquoi je professe, pourquoi je confesse, pourquoi je proclame ma foi. Il faut qu'ils sachent, pas à moi, mais à ton nom, donne gloire. Il faut que les nations sachent pourquoi dirait-elle, mais où est donc son Dieu? Il faut qu'il sache. Il faut qu'il sache que tu guéris. C'est pas pour moi, c'est pour qu'il sache. Il faut qu'il sache que tu fais le bien. C'est pas à cause de moi, c'est parce que je veux être un message. C'est parce que je veux témoigner. Il faut qu'il sache que tu fais le bien. Il faut qu'il sache que tu es le Dieu des cas impossibles. Il faut qu'il sache que tu es le guérisseur des maladies incurables. Il faut qu'il sache que tu es l'auteur de la percée surnaturelle. Il faut qu'il sache que tu es celui qui ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand tu fermes une porte, personne ne peut l'ouvrir. Il faut qu'il sache que tu es celui qui appelle les choses à l'existence comme si elles n'étaient pas. Il faut qu'il sache que mon Rédempteur vit et qu'il se lèvera le dernier. Il faut que les nations sachent. Il faut qu'il sache, Seigneur, il faut qu'il sache, ma génération, il faut qu'il sache, il faut qu'il sache que tu es vivant. Que tu es réel, que tu fais tout à merveille, que tu es le libérateur. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il faut que rien n'est impossible à tes yeux, que rien n'est impossible à Dieu. Ce que les hommes ont dit impossible, Dieu le déclare possible. Il faut. Il en va de ma crédibilité. Il en va de ma crédibilité en tant que témoin. Il en va de ma crédibilité. Il en va de la consistance de mon témoignage. Il faut qu'il sache. Alors moi je suis un témoin, prêt à témoigner au Père, prêt à témoigner de Jésus, prêt à témoigner de ton nom.
Il faut qu'il sache que ton amour est capable, avec ta miséricorde, d'intervenir, de triompher dans une vie qui avait été déclarée bloquée, maudite, échec, limitation, restriction, étranglement, étouffement, blocage, emprisonnement, sorcellerie, mes propres erreurs. Il faut que ce n'est jamais fini, que tu n'as jamais dit ton dernier mot. Il faut qu'il sache que ton amour est capable d'aller dans la profondeur, dans les profondeurs du péché, dans les profondeurs de mon péché, de ma désobéissance. Il faut qu'il sache que même lorsque ça sent déjà mauvais, comme pour Lazare, il faut que tu aies la résurrection et la vie. Il faut que tu aies celui qui sache que tu es celui qui redonne la vie à des ossements desséchés, à des conditions desséchées, à des destinées desséchées, à des foyers desséchés, à des mariages desséchés, à des vies célibataires desséchées. Il faut qu'il sache que tu es celui qui a dit la stérile enfantera cette fois. Il faut Kayara Machaya. Il faut qu'il sache qu'aucun cas n'est désespéré. Le cas du démoniaque de Canaran n'était pas un cas désespéré pour toi. Il faut qu'il sache que mon cas n'est pas désespéré. Plusieurs amis ne croient sur moi. Les médecins amis ne croient. La famille amis ne croient. Les professeurs amis ne croient. Ils ont dit que rien ne prend. Ils ont dit que ça ne peut pas changer. Mais il faut. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de ta gloire. Il faut. Y a-t-il un domaine de ta vie où tu as envie de dire à Dieu, Seigneur, il faut qu'il sache. Ne le fais pas à cause de moi. Anna dit, ne le fais pas à cause de moi. Non, non, c'est à cause de ton nom. C'est parce que je suis un témoin. Je suis un disciple. Il faut un disciple qui n'a pas de témoignage. Un disciple qui n'est pas un message. Un disciple qui n'est pas la démonstration vivante. Un disciple qui n'est pas une épître vivante. N'est pas crédible. N'a rien à porter. N'a aucune différence à faire. Ce sont des paroles. Ce sont des théories. Ce sont des concepts. Ce sont des philosophies. Quelle différence entre la philosophie et la foi s'ils ne peuvent pas savoir que tu es réel. Ah, je te prie, à ton nom, ton gloire. Y a-t-il un domaine de ta vie où tu as envie d'élever la voix et de dire à Dieu ce soir, il faut. Si tu as un domaine, alors tu peux élever la voix. Dans quel domaine est-ce que tu dis à Dieu, il faut qu'il sache. Et Dieu te répond, ils le sauront, ils le sauront, ils le sauront, ils le sauront. Je signerai de ma signature. Je signerai par un miracle. Je signerai par un prodige. Je signerai par un signe. Je signerai par un témoignage. Je signerai. Y a-t-il un domaine? Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu veux qu'il sache? Dis à Dieu dans ce domaine, dans la stérilité, dans la santé, pour le travail, pour mes enfants. Il faut. Bien-aimé, élève la voix, parle avec Dieu, plaide avec Dieu, plaide devant Dieu, plaide avec Dieu. Dis à Dieu, il faut. Il faut. Tout le monde élève la voix. Tout le monde élève la voix. Dans quel domaine? Là, c'est une plaidoirie personnelle. C'est entre Dieu et toi. Dis à Dieu, ah non, ma vie s'arrête pas là. Cette situation, il faut qu'il sache que tu n'es pas limité.
Tu es le Dieu qui annule les dettes. Tu es le Dieu qui donne des enfants. Tu es le Dieu qui marie tes enfants. Tu es le Dieu qui donne la prospérité. Tu es le Dieu qui donne l'abondance. Tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui a libéré le démoniaque de Gadara. C'était un message. 6000 démons n'ont pas pu résister à l'autorité de ton nom. 6000 démons n'ont pas pu résister devant la puissance de ton nom. La mort n'a pas pu résister. La mort n'a pas pu résister devant la puissance de résurrection. Il faut. Dis-lui. Oh, il faut que le monde sache, il faut que le diable sache, il faut que les sorciers dans ma famille, il faut que les bâtisseurs d'hôtels maléfiques, hôtels familiales, il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils sachent que j'ai été transféré des ténèbres à la lumière. J'ai donné la seigneurie, la souveraineté de ma vie à Jésus le Christ. Il faut qu'ils sachent qu'on ne peut plus me retenir. On ne peut plus me bloquer. On ne peut plus me retenir. On ne peut plus m'enchaîner. Il faut qu'ils sachent quelle est la puissance du nom de Jésus. Il faut qu'ils sachent quelle est la voix, la puissance de la voix du sang de Jésus. Il faut... Shayarama, dis-le-lui, il faut. Shayarama, dans quel domaine il faut qu'il sache. Dieu me dit de tenir, ils le sauront. Mais dis-moi, plaide avec moi, parle avec Dieu, plaide ton cas, plaide, argumente, il doit savoir quoi. Shayarama, ayarama. Il faut qu'il sache qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de ta force. Cette puissance, tu l'as déployée en Christ lorsque tu l'as ressuscité des morts. Il faut qu'il connaisse l'infinie grandeur ou verbalo, megatos, dynamis. Il faut qu'il sache qu'il y a puissance et à puissance illimitée et infinie. Il faut que les sorciers, il faut que les bâtisseurs d'hôtels territoriaux qui ont fixé des limites, qui ont dit, ils cessent, vous n'irez pas au-delà. Toi, tu n'iras pas au-delà, tu ne traverseras pas. Il faut qu'ils sachent qu'il y a un Dieu en France, il y a un Dieu en Israël, il y a un Dieu dans la francophonie. Son nom, c'est Jésus le Christ. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il faut Chakarabaya. Déclare, qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Il faut qu'il sache. Parle-lui des situations impossibles, humainement impossibles. Là où ils ont dit impossible, là où ils ont dit impensable, là où ils ont dit improbable, là où ils ont dit désespéré, là où ils ont dit ce n'y a plus d'espoir. Il faut. Ayare camarosa, ayare de marazo, ayare de mar, sala mamaya, ayare de marosa, ayare de marosa. Il faut qu'il sache que j'ai choisi la bonne part. Il faut qu'il sache que celui que j'invoque n'est pas une idole, ce n'est pas une statue, ce n'est pas un morceau de bois. Il faut qu'il sache, celui en qui je me confie, il faut qu'il sache que Jésus-Christ n'est pas l'auteur d'une religion. Il faut qu'il sache qu'il n'est pas le petit enfant dans la crèche. Il faut qu'il sache qu'il n'est pas un parmi les nombreux. Il faut qu'il sache qu'il est l'unique, le véritable, le chemin, la vérité, la vie éternelle. Il faut qu'il sache. Il faut. Ça y est, recourra ma chalabaya. Yere ma mara, ça y est, ramaya.
aucune maladie. Il faut qu'il sache que non, ta main, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. L'ennemi, l'adversaire parle beaucoup à travers des conversations silencieuses, de cœur à cœur. La plupart des combats ne sont pas physiques. Ce sont des voies, ce sont des forteresses, ce sont des systèmes de pensée que toi et moi nous entendons et qui veulent nous intimider. Et lorsque tu cèdes devant ces voix, tu es vaincu. Mais à partir de maintenant, et il faut qu'ils sachent et ils le sauront. Il faut. Pour David, ce géant d'intimidation s'appelait Goliath. Et le Saint-Esprit est en train de me dire que pour chacun d'entre nous, il y a des voix d'intimidation. Certaines parlent plus fort que d'autres. Des voix qui te parlent et qui te disent, tu vois, là où tu es, tu n'iras pas plus loin. C'est moi qui te parle. Laisse tomber ton affaire de Jésus là. Il ne peut rien faire pour toi. Personne ne peut te délivrer de ma main. Personne n'est capable de te sauver, de te sortir de là. Ce sont des voix qui se lèvent avec orgueil contre la connaissance de Christ. Le Saint-Esprit me dit ce soir, tu vas parler à ces voix. Parce que derrière ces voix, il y a un problème. Derrière ces voix, il y a une montagne qui a un nom. Dans cette atmosphère, tu vas lui dire, tu sauras. David a dit, tu sauras qu'il y a un Dieu en Israël. Ce soir, je vais te couper la tête. Ce soir, je vais t'écraser la tête. Je vais te décapiter et je livrerai ta carcasse aux oiseaux du ciel. Ce soir, à Souéa, tu vas proclamer, tu vas déclarer, il faut et tu vas savoir. Voilà ce que tu vas savoir. Élève la voix, parle à cette montagne, parle à ce problème, parle à cette condition. Prophétise, dis-lui comme David a dit, parle à lui maintenant. Viens avec la parole de Dieu. Il est écrit, il faut que tu saches qu'on ne peut pas me contenir, on ne peut pas définir ma progression, on ne peut pas dire je m'arrête là. Là où je dis je m'arrête, je traverse au nom de Jésus. Là où je dis je suis malade, je sors d'ici guéri cette année, aujourd'hui, ce soir, cette semaine, je guéris. Il faut que tu saches que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Il faut que tu saches qu'il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il faut que tu saches, aucune voix n'est supérieure à la voix du sang de Jésus. La voix du sang de Jésus, c'est la voix de l'Éternel, c'est la voix du Seigneur. Elle retentit comme le tonnerre, elle retentit comme le bruit des grandes eaux. Il faut que tu saches, aucun hôtel familial, territorial, maléfique, n'a le pouvoir de m'enfermer dans une prison. Déclare! Y a-t-il un guerrier dans la place? Y a-t-il un soldat? Y a-t-il un loin de Dieu? Y a-t-il une loin de Dieu? Y a-t-il des soldats? Soya Ramaya, Shilekagama, Osatayama, Yekaramaya. Ah, déclare, on ne peut pas t'enfermer, on ne peut pas te maintenir sous le boisseau, on ne peut pas te garder sur la table. Il faut qu'il sache que ma lumière brille, mon témoignage est favorable. C'est maintenant, c'est ce soir.
Il faut qu'il sache que la main du Seigneur est sur moi. J'ai donné le pouvoir au Saint-Esprit par mon obéissance. Il faut qu'il sache que le doigt de Dieu est en train d'écrire une histoire, est en train de réécrire, de réécrire, de réécrire, de réécrire. Je vois un doigt en train de réécrire une histoire, réécrire un témoignage. Ça avait mal commencé, mais le doigt de Dieu intervient et réécrit ton histoire, réécrit ton témoignage, réécrit ta santé. Shaye rebara ma shaya, oso kaya ma, debro saya rama. Il faut, shaya rebara ma gosa, yere bara ma shaya, le kora ma sa, ibra ma rosso. Il faut, vous saurez ce soir qu'il y a un Dieu, il y a un Dieu, il y a le Créateur dans ma vie. Vous saurez qu'il est de mon côté, le Seigneur avec elle. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le soutien, le fondement de ma vie. De qui aurais-je peur? Il faut, Shayarama, Rosso Kabana, Shayarama, Yarebama, Rosakata, Lebama. Ce soir Dieu se lève. Ce soir Dieu se lève. Shayarebama, Rasa, Rosso Rebama. Ce soir, en ta faveur, il se lève comme un tonnerre, comme des fleuves d'eau vive, comme un vent, comme un feu, dévorant, remplis le lieu, remplis l'atmosphère, au son de ma voix, répands-toi, ce soir, qui ose parler, qui ose contester contre la voix du Seigneur, la voix du sang de Jésus, elle vient parler ce soir, elle vient dire miséricorde, a été accordée à cet homme, a été accordée à cette femme, le salut, la guérison, la délivrance, l'abondance, la fécondité, l'intelligence, la sagesse, la créativité, la richesse, l'acceptation, l'approbation ont été accordées à ce bien-aimé, à cet enfant. Qui ose contester? Qui ose résister? Quelle voix? Qu'elle soit condamnée en jugement par le feu. Il se lève comme un feu. Ce soir, Shakarabaya, Yererobosa, Ayarabaya, Shearerama, Ayarabaya, ce soir, ma vie
change. Ce soir, les chaînes qui me retenaient, les chaînes qui te retenaient, les cordes spirituelles, les nœuds qui avaient été formés, sont brisés par l'épée de l'esprit, les cadenas, les verrous, les cadenas sont brisés par l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, les cadenas, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de me dire ce soir. La même atmosphère qu'il y avait dans la prison où étaient Paul et Silas et dans le lieu. Il y eut soudainement un tremblement de terre parce que Dieu s'était levé. Dieu a dit: Gabriel, Michael, les chérubins, les séraphins, descendant dans la place, Ce soir, la voix du sang de Jésus va parler dans toutes les directions. Ah, aïe, 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 aïe. Le Saint-Esprit me dit ce soir, il ne vient pas seulement briser les chaînes. Ce soir, il ne vient pas seulement briser les verrous. Les chaînes et les verrous ont déjà été brisés dans ta vie. Les liens qui te retenaient en arrière ont été taillés par l'épée de l'Esprit. Elle est tranchante, à double tranchant. Elle taille, rien ne peut résister. Mais ce soir, la voix du Saint-Esprit me dit, ce soir, il ne va pas seulement briser les chaînes, il ne va pas seulement briser les verrous. Ce soir, c'est toute la fondation. C'est la fondation de la prison qui te retenait. La fondation de ces hôtels maléfiques qui te retenaient, qui avaient parlé contre ta vie. Ah, il est en train de me dire, ce soir, ma présence, quand je me lève, je ne viens pas pour libérer une prison. Pour libérer une prison, j'envoie un ange. Mais quand je viens, le son de ma voix va ébranler les fondations des hôtels nationaux, des hôtels familiaux, des hôtels territoriaux, des maladies, des oppressions démoniaques, des harcèlements démoniaques. Tout ce qui parlait contre ta vie, que ce soit naturel ou spirituel, Dieu n'est pas limité par le spirituel. S'il est capable d'ouvrir les portes des prisons, ça veut dire qu'il est capable de toucher la sphère physique, quel que soit ce qui parlait contre ta vie, quelle que soit la voix qui te combattait, quelles que soient les forteresses qui t'intimidaient. Ce soir, Dieu se lève. Sa voix va rugir. Tout ce que tu vas faire, tu vas déclarer, décréter la voix qui t'intimidait, ce qui bloquait ta vie, le célibat, le chômage, la stérilité, quels que soient les démons, tu vas dire tout ce sur quoi vous aviez pris appui, ce sur quoi vous vous reposiez, ce soir est complètement ébranlé. Il y a un tremblement de terre maintenant dans le monde spirituel. Les fondations sataniques qui parlaient contre ta vie, qui parlaient contre un bassin chrétien, les fondations sur lesquelles ils s'appuyaient sont ébranlées et ils sont descendus, ils sont transportés, ils sont précipités comme un tremblement de terre. Ils rentrent dans les trous, ils sont enterrés avec le tremblement de terre. Tout prêtre satanique qui a parlé contre ta vie est enterré ce soir. Élève la voix, ce soir Dieu se lève. Chakarama, yerere baba, sorere baba chak. Yerere baba, chayarere baba, baro sakarama yerere.
élevé la voix. Toute fondation sur laquelle reposaient les maîtres sataniques, les prêtres occultes, les fondations de maladies naturelles, de cancers, de fibromes, de sida, de diabète, d'hépatite, de maladies de peau, de maladies de sang, de maladies des articulations, toutes les fondations sur lesquelles reposaient ces maladies, ce soir, sans ébranler, au nom de Jésus, les fondations de l'esprit de pauvreté, de l'esprit d'infirmité, l'esprit de cécité, l'esprit d'immoralité, l'esprit d'échec, l'esprit de sorcellerie, les sirènes des eaux, ces esprits de célibat, ces esprits d'échec dans le mariage, toutes vos fondations, esprit de peur, esprit de culpabilité, esprit de dépression, esprit de rejet, toutes vos fondations, ce soir, sont ébranlés. Acclame pour les fondations qui te retenaient. Ah! Ne t'arrête pas, continue en esprit. Ah, il n'a pas fini. Tu viens d'envoyer la parole. Maintenant, attends de voir ce que la parole va faire. Je dis que les fondations de la sorcellerie. Ah, il y en a assez de ces esprits qui bloquent le mariage de nos filles, le mariage de nos frères. Esprit impur, tes fondations sont saccagées. Elles sont ébranlées. Tout esprit humain qui osait parler en disant je l'ai épousée, on me l'a donnée, elle est à moi. Ce soir, ta fondation est ébranlée. Ta fondation est ébranlée. Ta fondation est ébranlée. Ta fondation est ébranlée. Au nom de Jésus, non seulement les chaînes sont brisées, les verrous ont sauté, mais à partir d'aujourd'hui, on te cherchera, on ne te trouvera plus. L'ébranlement de la fondation signifie que toi, esprit humain, toi, prêtre satanique, toi, autel maléfique qui retenait cette femme, les fondations ébranlées signifient que ce n'est pas une personne qui sort de prison seulement, non. Les fondations ébranlées signifient que ton business est détruit, tes esclaves sont libérés, tes captifs sont libérés. Tout ce que tu retenais, nous les sortons de tes prisons, nous les sortons de là, nous les envoyons à Jésus, nous les appelons à Jésus. Ils sont libérés, mais ils viennent à Jésus. Oh, proclame que ta famille sort. Proclame que tu sors avec ta famille. Déclare que tu sors avec tes enfants. Tu sors. La fondation ébranlée, ça signifie que ce n'est plus toi seulement. Tous les autres, proclame que ta famille sort avec toi. Ton mari sort avec toi. Ta femme sort avec toi. Tes enfants sont avec toi. Ton futur sort avec toi. Ta richesse sort avec toi. Ta bonheur sort avec toi. Tes frères et tes soeurs sont avec toi. Ils sont de cet hôtel. Ils sont de ces prisons. Proclame-le. Dis seulement, je sors avec. Ils sont avec moi. Je les amène à Jésus. Ils sont avec moi. Je les amène à Jésus. Vas-y, et parle. Élève. Parle. Ne te tais pas. Élève la voix. Sorre de la maya.
Ce soir, Dieu se lève. Ce soir, Dieu se lève. Ce soir, Dieu se lève. Ce soir, Dieu dit ce soir. Ce soir, en ma faveur, il parle pour moi. La voix de son sang retentit. Ce soir, oh ce soir, regardez les gens. Ce soir, regardez. Ce soir, ce soir, ce soir. J'ai dit ce soir. Oh, et remercie le Seigneur, proclame qu'il se lève. Continue de proclamer, ne t'arrête pas. Ce soir, continue de déclarer, continue de déclarer. Peut-être qu'il y a un domaine que tu as oublié. Pense à ce domaine, n'épargne rien. Parce que ce soir, il y a une onction de tremblement de terre. Ce soir, il y a une onction de destruction des fondations. N'oublie rien dans la prière, n'oublie personne, n'oublie rien. Parce que ce soir, il y a plus que des chaînes brisées. Ce soir, il y a plus que des cadenas brisées. Ce soir, ce sont des fondations. Il y a une onction de destruction, une puissance, des vols, des branlements, des fondations. Ne te tais pas, élève la voix, parle, parle, parle. Prophétise, proclame, arrache, déclare. Oh, Abraham. Seyere le babarosaya. Yekere la manayana. Les fondations de l'impudicité dans ta famille, dans ta vie, sont ébranlées au nom de Jésus. J'ai dit les fondations de l'impudicité. Ça veut dire, dans mes enfants, pas seulement dans ma vie, dans mes enfants, on ne parlera pas d'impudicité. On ne parlera pas de vol. On ne parlera pas d'adultère. Les fondations de l'adultère sont ébranlées au nom de Jésus. On ne parlera plus de maladie générationnelle, héréditaire. Ce soir, les fondations des maladies héréditaires, de drépanocytose, quel que soit le nom de cette maladie, ce soir, ces fondations sont ébranlées au nom de Jésus. Les fondations du sida sont ébranlées. Ça veut dire non seulement tu sors de là, mais tout ce qui était prisonnier des mêmes mots, des mêmes conditions, sort de là au nom de Jésus. Elles sortent de là au nom de Jésus. Les fondations de la pauvreté, les fondations de la pauvreté qui contrôlaient toute ta famille, ce soir, sont ébranlées au nom de Jésus. Oh, tu peux acclamer, tu peux acclamer. Ce soir, les fondations de l'intelligence limitée, l'intelligence restreinte, du manque de créativité, de la médiocrité, de la manière de penser toujours limitée. Tu n'arrives pas à voir loin. Tu n'arrives pas à te projeter. Tu n'arrives pas à avoir une vision. Tu vis au jour le jour. Et dans ta famille, tout le monde est pareil. Il y a peu de gens qui ont accompli quelque chose de significatif. Tout le monde avance petit. Tout le monde fait petit. Tout le monde vit petit. Tout est seulement petit, petit. La santé, petit, petit. Tout est petit, petit. Ce sont des fondations. Des fondations de restriction. Des fondations de limitation. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce soir, que toute fondation de restriction, de limitation, de médiocrité, de manque d'intelligence, de manque de vision, de manque de créativité, que ces fondations soient ébranlées. Au nom de Jésus, acclame, 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 acclame. Ayarra, ramarra, sacarra, maoroso,
Toute maladie héréditaire qu'on t'a dit que tu as hérité de tes parents ou que tu risques de transmettre à tes enfants, lève la main. Maladie héréditaire, quel que soit le nom, on a dit c'est héréditaire et c'est incurable. Tu dois te soigner à vie. Tes parents ont eu le même combat, tes frères et tes soeurs ont les mêmes luttes. Que ces fondations d'infirmité, de malédiction héréditaire générationnelle ce soir soit brisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'es plus né de ton père. Tu n'es plus né de ta mère. Tu es né du Saint-Esprit. Mais je déclare les fondations de restriction, de médiocrité, de manque de vision, de paresse, de nonchalance, de lourdeur, d'assoupissement qui te tenait toi et qui tenait les autres membres de ta famille. Sois ébranlé au nom de Jésus. Ta famille sort de là. Tu sors de là. Ta famille sort de là pour venir à Jésus. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, ne dis pas juste qu'il sort. Parce que sortir ne veut pas dire sauver. Il y en a qui peuvent sortir d'un vice, d'une malédiction. Mais si tu ne donnes pas la trajectoire où aller, ils risquent de se retrouver dans les religions, ils risquent de se retrouver dans les groupes ésotériques, dans les franges et les francs mécaniciens. Mais ce soir, tout ce que nous sommes en train de libérer entendent la voix de Jésus et viennent à Jésus-Christ. Ils entendent la voix du Seigneur et ils viennent à Jésus-Christ. Et ils viennent à Jésus-Christ. Et ils viennent à Jésus-Christ. Ce soir, que se lève ce soir. Oh, ce soir. Que se lève ce soir. Que se lève ce soir. Que se lève ce soir. Que se lève. Je dis ce soir. Que se lève ce soir. Que se lève. Je dis ce soir. C'est notre histoire. Ce soir, en faveur des personnes chrétiennes, en faveur de nos vies, en faveur de l'Église en France. Je dis ce soir, ce soir, ce soir, ayarabara. Remercie, 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 remercie. Acclamer est une manière de remercier. Parler aussi est une manière de remercier. Chaya reko rapa chaya. Aye de re bara sobre kama kaya de. Aye ko rara bara chaya de rama. Oro so kare mahi kara baros. Les fondations du célibat et du divorce.
les fondations du célibat et du divorce qui avaient tenu ta vie et qui tenaient les membres de ta famille. Du célibat, de la fornication, du divorce et de toutes les perversions, bestialité, homosexualité, adultère, masturbation. Dans le nom de Jésus, que ces fondations d'esprit impur soient ébranlées, ébranlées, au nom de Jésus. C'est ma saison. On ne peut plus me bloquer. C'est ma saison. C'est ma saison. Je déclare que c'est ma saison. Je ne sais pas pour toi, mais c'est une histoire personnelle entre Dieu et moi. C'est ma saison. La foi proclame. C'est ma saison. On ne peut plus me lier. C'est ma saison. Ma famille est libérée. C'est ma saison. Les fondations sataniques ébranlées. C'est ma saison. Voilà pourquoi je dis. C'est ma saison. C'est ma saison. Proclame-le, déclare-le, c'est ma saison. C'est ma saison. J'ai dit c'est ma saison. Acclame. C'est ma saison. La saison d'abondance, la saison du mariage, la saison de la productivité, la saison de l'intelligence, la saison de la créativité, la saison de la faveur, la saison des opportunités, la saison de possibilités, la saison de libération, la saison de délivrance, la saison de guérison. C'est ma saison. C'est ma saison.
Lève la main et déclare, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Je proclame que c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Je déclare que c'est ma saison. Là, non, c'est que. Et que ta main touche les mains levées. La main du Seigneur touche les mains levées. La main du Seigneur touche les mains levées. La main du Seigneur touche chaque main levée. La main du Seigneur touche chaque main levée. Au nom de Jésus de Nazareth, que ta main touche chaque main levée. Elles sont trop nombreuses pour que je les touche. Alors le Saint-Esprit garde cette main levée. Saint-Esprit confirme que tu touches. Libère un feu, 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 libère un feu. Une décharge, c'est le signe qui t'a touché. Libère ce feu. Je disais, c'est ma saison. Saisis cette main. Je dis Paul dit, c'est parce que nous avons cru, que nous avons parlé, que nous avons proclamé, que nous avons confessé que c'est ma. C'est la saison d'un Maxime chrétien. Quiconque a dit, vous n'y arriverez pas, nous voit non seulement y arriver, mais celui qui a dit qu'on n'y arrive pas, c'est comme le l'aide de camp du roi de Samarie. Il y avait famine à Samarie, état de siège à Samarie. Au point que la nourriture coûtait très cher. Les gens étaient obligés de manger leurs enfants. Et dans cette détresse, le roi de Samarie s'est fâché contre Dieu. Il voulait aller massacrer, assassiner Élisée. Élisée a dit, ainsi parle le Seigneur des combats, l'Éternel des armées. Redoutable dans la bataille. Il a dit, ainsi parle le Seigneur, demain il y aura une abondance sans précédent. En 24 heures la famine sera changée en abondance. Il a dit, demain on trouvera pour 1 euro, on trouvera 10 kilos de tomates, 10 kilos de farine, on trouvera 12 kilos de blé en 24 heures. L'aide de camp du roi a dit, même si Dieu ouvrait des fenêtres au ciel, comment une chose pareille pourrait-elle se faire? Élisée lui a dit, tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. La parole a été libérée. 24 heures plus tard, la Bible dit que le Seigneur a fait entendre à l'armée qui a assiégé Samarie. L'Éternel a fait entendre le bruit d'une armée. Alors les soldats qui assiégeaient Samarie ont cru que Israël avait invoqué des renforts et qu'il y avait l'armée d'Égypte et toutes les armées qui venaient les combattre, et ils ont fui parce que c'était un bruit assourdissant. Dieu a mis en déroute ceux qui avaient assiégé son peuple à Samarie. Et lorsque Dieu l'a fait, c'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 3 ou chapitre 4, ou chapitre 6, je ne sais plus. Et lorsque l'armée qui a assiégé Israël a fui, ils ont laissé toutes les provisions.
ils ont laissé l'abondance parce qu'ils se nourrissaient de ce dont Israël avait besoin. Ils ont tout laissé sur place. Ils ont laissé les repas. Ils ont laissé les chameaux. Ils ont laissé les brebis. Ils ont laissé les chèvres. Ils ont tout laissé et ils ont complètement fui. Et il y avait ces quatre lépreux à la porte de Samarie qui sont allés en éclaireur. Et quand ils ont vu que l'armée avait fui, ils sont allés avertir le roi d'Israël. Ils lui ont dit que l'armée qui les a siégés avait fui. Pour amorcer l'histoire, quand ils ont fui, Israël, quand ils ont vu que la nouvelle était confirmée, Israël est sorti massivement pour aller prendre possession de l'abondance qui avait été laissé pour eux. Et celui qui était l'aide de camp se tenait à la porte de la ville, a juste été écrasé par le mouvement de foule. Ainsi la parole d'Élisée s'est accomplie. Il lui avait dit, tu le verras, mais tu ne goûteras pas, tu n'en profiteras pas, tu n'auras même pas l'occasion de l'apprécier. Méfie-toi de l'incrédulité. Méfie-toi lorsque tu doutes de ce que Dieu a dit. Quand Dieu a dit va financer son hôtel, méfie-toi de dire ah, qui commence cela. Le pasteur Ivan, méfie-toi de tes pensées. Sinon, tu risques de le voir, mais de ne pas rester en vie pour rentrer dans ce bâtiment. Que ça ne t'arrive pas. Si jamais tu as été incrédule, que Dieu pardonne ton incrédulité. Cette parole. Maintenant je déclare et je décrète au nom de Jésus. Tous ceux qui pendant des années avaient assiégé ta vie. Tous ceux qui pendant des années avaient assiégé l'église. Asphyxiés, ils étouffaient, ils sont pressés. Dans le nom de Jésus, par la puissance de résurrection de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, que toutes les forces qui s'étaient coalisées pour assiéger ta vie, pour assiéger l'église, pour assiéger nos familles, pour assiéger nos enfants, que cette puissance soit ébranlée maintenant. Ébranlez maintenant. Ce qui a assiégé la santé, ce qui a assiégé le travail, ce qui a assiégé les enfants, ébranlez maintenant. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, nous déclarons et nous décrétons que non seulement Dieu libère, non seulement tout ce qui nous assiégeait est ébranlé au nom de Jésus. Mais maintenant, tu ne vas pas sortir de cet état de siège juste lui, les mains vides. Non. Tout ce qui s'était enrichi, tout ce qui avait créé de la richesse, tout ce qui avait prospéré, grâce au fait qu'ils assiégeaient l'église, ils assiégeaient ta vie, ils assiégeaient ta famille, tout ce qui avait prospéré. Maintenant, parce que Dieu se lève, la Bible dit, ses ennemis se dispersent. Ils se dispersent. Ils se dispersent. Ils se dispersent. Ils se dispersent. Je vois les esprits de sorcellerie se disperser. Je vois l'esprit de pauvreté se disperser. Les esprits d'infirmité se disperser. Les maladies se disperser. Dans l'église arrive.
Les esprits de célibat des sirènes se dispersaient. Les serpents se dispersaient. Tout ce qui avait, tout ce qui avait obscurci ta lumière à travers un voile, c'est pour ça qu'on ne te voyait pas. C'est pour ça qu'on ne te remarquait pas. C'est pour ça qu'on ne faisait pas attention à toi. Tous ces démons se dispersent au nom de Jésus. Ils vont donner les arides au nom de Jésus. Ils vont donner les arides. Tout ce qui avait assiégé ta manière de penser, ta manière de raisonner, ton intelligence, les choses qui semblaient pour les gens évidentes et saintes, pour toi, c'est toujours un effort bizarre, c'est toujours laborieux, c'est toujours compliqué, compliqué de comprendre, compliqué d'apprendre. Tout ce qui a assiégé ton intelligence, toute forme de folie, toute forme de migraine, ou juste tout raisonnement tordu, tout ce qui opérait derrière, sont dispersés au nom de Jésus. Ils sont dispersés. Dispersés. Ma Bible dit, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient. Je dis, ils fuient au nom de Jésus. Ils fuient au nom de Jésus. Ceux qui nous faisaient la guerre, fuis au nom de Jésus. S'il ne fuit pas, nous leur écrasons la tête au nom de Jésus. S'il ne fuit pas, nous nous courons vers eux et nous leur écrasons la tête et nous les taillons en pièces. Oui, tu peux acclamer, tu peux acclamer, tu peux acclamer. N'attends pas ton voisin pour acclamer. N'attends pas ta voisine pour acclamer. N'attends pas. Ça se trouve dans 2 Rois chapitre 6. Dans 2 Rois chapitre 6. Maintenant, quand quelqu'un fuit, quand quelqu'un se disperse, c'est comme lorsqu'on quitte un avion. Un avion à la dérive. On n'a jamais le temps de prendre ses affaires. Voilà pourquoi dans l'avion, on te dit, en cas d'atterrissage d'urgence, veuillez laisser tous vos bagages dans l'avion. Tu ne peux pas prendre avec le gilet de sauvetage. Tu ne peux pas prendre ton sac, ton portefeuille. Tu ne peux pas. Tu dois laisser tout et sortir. Ça révèle une vérité. Quand il fuit, il laisse tout sur place. Maintenant, tu vas prendre autorité. Tout esprit méchant qui avait assiégé ta vie à cause de ta désobéissance passée. Tout esprit méchant qui avait assiégé ta vie, crois, dit le Saint-Esprit, que quand je me lève, il n'y a personne qui reste en face de moi. Quand Dieu se lève, il n'y a personne qui dit, tu t'es levé en mon nom. Quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face. Ce soir Dieu s'est levé, 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 ce soir Dieu s'est levé. Crois, Dieu s'est levé. J'aime disait verrou ôté, fondation ébranlée.
adversaire fuit devant sa face. Maintenant, tu vas proclamer. Tout ce qu'on t'avait volé à cause de ta désobéissance, maintenant, tu récupères l'abondance. Et tu déclares cette abondance, tu ne sais pas quel chemin elle prend, mais elle arrive maintenant. Dans cette saison, tu vois l'abondance. Cette saison, cette année, aujourd'hui, tu appelles cette abondance. Tu appelles cette abondance. Parce que ceux qui se sont dispersés, ceux qui ont fui, ils ont tout laissé. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que tu récupères? Proclame que tu récupères. Je ne sais pas, c'est à toi de voir. Qu'est-ce que tu récupères? Qu'est-ce que tu récupères? Qu'est-ce que tu récupères? Qu'est-ce que tu récupères? Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je récupère, 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 je récupère. Vas-y, élève la voix, récupère, tout le monde élève la voix, récupère, 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 tout le monde, tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le jusque dans ta postérité, récupère dans ta vie et dans celle de tes enfants, récupère la sagesse, récupère la crainte de Dieu, récupère l'intelligence, récupère l'abondance, récupère la richesse, récupère la santé. Vas-y, récupère, récupère, récupère.
répéter avec moi. Nous, Église de Jésus-Christ, un pacte sans chrétien, nous déclarons et nous décrétons que tout ce qui avait assiégé l'Église sur le plan financier pour l'étouffer, la limiter, la restreindre, la bloquer, empêcher son expansion. Tout ce qui avait assiégé l'Église numériquement, financièrement, spirituellement, est brisé au nom de Jésus. Maintenant, nous récupérons la croissance numérique. Nous récupérons le feu du Saint-Esprit. Nous récupérons les finances, l'abondance financière, l'abondance financière, l'abondance financière pour bâtir un hôtel à Dieu. Abondance financière, nous récupérons auprès de tout ce qui avait assiégé l'Église au nom de Jésus, auprès de tout ce qui s'était enrichi illégalement. Nous récupérons abondance financière. Viens pour bâtir l'autel de Dieu, pour bâtir les églises de Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Tu as tenté un enfant, tu en auras au moins deux au nom de Jésus. C'est l'abondance qui vient. L'abondance des opportunités. L'abondance de faveur. L'abondance de grâce. L'abondance de grâce. L'abondance. Ayare korama mayere. Il fait infiniment abondamment. Il fait infiniment en abondance. Après la sécheresse, après la famine, Israël a vécu une abondance. Ce n'était pas la rareté, c'était l'abondance. Ce n'est plus la rareté. La rareté quitte ta vie au nom de Jésus. La rareté quitte un personne chrétien au nom de Jésus. C'est l'abondance. Dans le domaine où tu l'attends, c'est l'abondance. Ce qui était rare deviendra abondant maintenant. Ce qui était rare devient abondant maintenant. Ce qui était rare devient abondant maintenant. Ce qui était une disette devient abondant maintenant. Là où tu avais peu de connexions, peu d'opportunités, peu de rencontres, reçois l'abondance au nom de Jésus. Là où tu avais peu d'idées, peu de créativité, peu d'intelligence, reçois l'abondance au nom de Jésus. Abondance de vitalité, abondance de force, abondance de compassion divine, abondance de miséricorde divine, abondance de grâce divine, abondance de faveur divine, abondance de sagesse divine, abondance d'intelligence divine, abondance de la paix divine, abondance de l'amour divin, abondance de connexion divine. Fini la rareté, fini le juste assez.
choses avaient été rares, pénibles, laborieuses. Nous entrons dans une nouvelle phase. La phase de l'abondance. Le triomphe de la miséricorde a libéré l'abondance. A libéré ces choses auxquelles tu n'avais pas accès, où c'était rare, sporadique, de temps en temps. À cause de nos péchés, de notre désobéissance, l'ennemi avait la main. Mais maintenant que nous sommes revenus, maintenant, pour celui qui s'est humilié, pour celui qui a obéi, pour celui qui a décidé d'être vrai, sincère, authentique, pour toi, j'entends abondance des hommes. J'entends abondance. Dans cette atmosphère, reste calme, reçois seulement. Impact sans chrétien ne manquera plus. Abondance de compassion divine. Abondance de miséricorde. Abondance de bonté divine. Abondance de faveur. Abondance de grâce. Abondance de vigueur. Kabbalah Shara Kurama Sitele Kabbalah. Abondance d'intelligence, sans faire d'effort, créativité nouvelle, inspiration nouvelle, ingéniosité, conception, invention, fabrication, excellence, talent, opportunité, éclat, splendeur, brillance. En abondance. Reçois d'abord, reçois. Reçois une abondance surnaturelle de vigueur, une
abondance surnaturelle de force, une abondance surnaturelle de foi, une abondance surnaturelle de vitalité. Abondance de vitalité. Abondance de vitalité. Et cette abondance se déverse sur toi. Elle se déverse sur toi. Elle se déverse sur toi. Elle se déverse sur toi. Tout ce qui t'affaiblissait est parti. Tout ce qui t'affaiblissait a fui. Tout ce qui t'affaiblissait a quitté. Reçois une abondance de vigueur. Une abondance de force. Reçois-la, attrape-la. Remercions le Seigneur pour l'abondance. Remercions pour l'abondance. Merci pour l'abondance. L'abondance de miséricorde. L'abondance de la grâce. Et le don de la justice. Nous font régner dans le pays. Nous font posséder le pays. Nous font posséder la France. Posséder la francophonie. Posséder les extrémités de la terre. Nous font posséder tout lieu que la plante de notre pied foulera. Nous le possédons. Nous font posséder la richesse économique, financière, l'influence politique. Possédons au nom de Jésus. Fini la rareté, fini la disette, fini l'insuffisance, fini le pas assez, fini le juste assez. Père, merci pour la saison et l'abondance. L'obéissance amène l'abondance. Waouh, Aya Baba Shaya. L'obéissance va engendrer l'abondance. L'obéissance va engendrer l'abondance. On t'a dit qu'à 45 ans c'était compliqué de se marier. L'obéissance va engendrer l'abondance. Tu ne choisiras plus par tu ne choisiras plus par défaut. Tu ne choisiras plus parce que c'est le seul choix. Tu choisiras parce que tu as le choix. Tu choisiras parce que tu as le choix. Tu ne choisiras plus par fatalité. Tu choisiras parce que tu auras l'embarras du choix. Et tu feras le bon choix. Tu choisiras des Boaz. Tu choisiras des hommes intègres. Tu choisiras des Ruth, mon frère. Tu choisiras des femmes vertueuses. Tu choisiras la bonne personne. Tu ne choisiras plus parce que c'était le seul choix. Tu ne prendras plus parce que c'est tout ce que la vie t'offrait. Non, c'est fini. Dis au revoir à cette phase. Je t'annonce l'abondance. L'obéissance va activer l'abondance. Impact sans chrétien, ton obéissance t'emmène dans l'abondance. Une église obéissante entre dans l'abondance. Abondance d'ouvriers, abondance de missionnaires, abondance de piliers dans l'église, abondance de disciples de Jésus, abondance de leaders, abondance de stars, abondance de pasteurs, abondance d'églises locales, ici en France et dans toute la francophonie et dans les dom-tom. Abondance au nom de Jésus. Abondance de finances. Ceux qui nous avaient assiégés, ceux qui avaient dit vous ne pouvez pas franchir ce cap, je ne sais pas comment,
maintenant seulement ils ont fui. Mais j'appelle un transfert de richesse. Un transfert de richesse. Un transfert de richesse. Un transfert de richesse. Des injustes vers les justes. De ceux qui collectaient avec des intérêts usuriers vers les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, que ce transfert ait lieu maintenant. Cette année, cette saison, cette époque. Au nom de Jésus. Abondance. Ce qui n'a jamais été vu, ce qui n'a jamais été vu dans une église en France. Abondance. Je précise, l'abondance se comptera en plusieurs dizaines de millions d'euros. Le Saint-Esprit me dit de préciser. Il me dit de préciser parce qu'il y en a pour qui un million c'est l'abondance. Non. Nous, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Père, c'est plusieurs dizaines de millions. Plusieurs dizaines de millions. Abondance. Abondance d'âme. Abondance en termes de dames sauvées. Avec moi, Père, au nom de Jésus, de notre vivant, accorde-nous la grâce de voir une église, une famille, un maximum chrétien qui, sur tout le territoire français, franchit le cap des 100 000 âmes, des 100 000 âmes, 100 000 disciples, 100 000 fervents, 100 000 obéissants. Au nom de Jésus, c'est le seuil que nous te demandons. De notre vivant, plus de 100 000 en France et dans les dom-toms. Pas en Europe, je parle de la France et des dom-toms. 100 000 âmes dans plusieurs milliers d'églises. Abondance de poissons d'âmes. Au nom de Jésus, c'est ce que nous demandons, c'est ce que nous recevons. Au nom de Jésus, chaque débarrassa, arrête corré ma barrière, ma rire à ma bossa, chayara. Abondance, 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 abondance. Ça sera notre unité de mesure. J'ai dit abondance. J'ai dit abondance. J'ai dit abondance. Nous l'appelons à l'existence. C'est ce que tu veux. Ça ne sera plus des choix par défaut. On ne va plus compter avec les doigts de la main. Je vois l'abondance. Fini la rareté. Abondance de vitalité. Abondance de guérison. Ça ne sera pas la guérison d'une seule maladie. Ça sera la guérison de plusieurs maladies. Abondance de liberté. Ça ne sera pas la libération d'un démon. Ça sera la libération de tous les démons qui harcelaient ta vie. J'ai dit abondance, j'ai dit abondance, abondance. Oh, remercions, disons avec des mots, avec nos acclamations, avec des mots, prends encore quelques secondes. Juste merci. Si tu crois à la parole prophétique libérée ce soir, hein? Ayata, Maria, 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 Maria,
Je sors de la rareté, je sors de la disette, je sors du pas assez, je sors du juste assez, je rentre dans l'abondance, l'obéissance, je choisis la bonne part, en choisissant l'obéissance, l'obéissance me catapulte dans l'abondance. L'obéissance te catapulte dans l'abondance. Là où tu veux, abondance. Tout ce que tu as fait, c'est de dire ça m'arrive dans tel domaine, dans tel autre domaine, dans tel autre domaine. Tu donnes à la parole une direction, une destination. Tu donnes à la parole une cible. La parole ne peut pas se promener par hasard. La parole doit avoir une cible. Je te remercie. Lord, we thank you. À celui qui a décidé, à celle qui a décidé de prendre le chemin de l'obéissance, tu trouveras l'abondance. Ouais. Cette parole est certaine, bien-aimé. Payarama, cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Que le tentateur ne te dise pas le contraire. Bon, tu n'as pas choisi la mauvaise part. En choisissant l'obéissance, tu viens de rendre ta vie meilleure. Tu viens de commencer une nouvelle histoire. Elle n'était pas désastreuse, mais en choisissant l'obéissance totale, tu viens d'assurer l'abondance totale. Pas dans un domaine, mais de mille manières, dans mille domaines, l'abondance sera constatée. Abondance de joie, abondance de paix, abondance de faveur, abondance de miséricorde, abondance de bonté, abondance de grâce, abondance de vigueur, abondance de liberté, abondance de guérison, abondance de délivrance, abondance d'opportunités, abondance de connexion, abondance financière, abondance économique, abondance en intelligence, abondance de sagesse, abondance de créativité, abondance d'ingéniosité, abondance d'inspiration, abondance, abondance, abondance. Mets ta main sur la tête. Décision d'obéir, de m'obéir. Vois, je fais toutes choses nouvelles. 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 Je demande au staff pastoral de venir ici devant, juste devant moi.
staff pastoral. Devant. Regardez-moi. Tout staff pastoral présent. Le Saint-Esprit me dit, je fais toutes choses nouvelles. Un nouvel équipement, une nouvelle autorité, une nouvelle onction, de nouveaux dons, de nouvelles capacités, nouvelle puissance, nouvelle audace. Je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Un nouveau feu, un nouveau poids, une nouvelle autorité sortira de toi, 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 au nom de Jésus. Une nouvelle autorité, une nouvelle grâce, une nouvelle puissance sortira de toi pour faire le travail auquel je vous appelle, pour paître le troupeau, au nom de Jésus. Garde la main sur la tête. Garde la main sur la tête. Sur ta vie, je fais toutes choses nouvelles. L'obéissance est un point de contact à distance. Saint-Esprit, télécharge, déverse. Cette main levée, c'est un signe d'obéissance. Elle sert de point de contact. Acier, télécharge, 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 télécharge. Télécharge, télécharge, télécharge. Sakele karabashi karababaya. Parogosi karababa. Télécharge, 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 télécharge. Déverse, déverse, télécharge, télécharge. Tu n'as pas besoin de sentir. Mais il télécharge. Il télécharge. Shayarakurabasa. À partir d'aujourd'hui, l'autorité de ta voix change. Le poids de ta parole change. À partir d'aujourd'hui, ton assurance change. À partir d'aujourd'hui, le poids de la voix quand tu parleras, tu seras écouté. Ceux qui te disaient hier, ceux qui t'intimidaient, les Goliath qui te menaçaient, juste en élevant la voix, ceux qui t'assiégeaient prennent la fuite et la poudre d'escampette au nom de Jésus. Je déclare une nouvelle voix sort de toi. Une nouvelle voix sort de toi. Une nouvelle voix sort de toi. Ça n'a rien à voir avec ton débit vocal. Quelle que soit ta voix naturelle, on n'entendra pas ta voix naturelle. On entendra le bruit des grandes eaux. On entendra le tonnerre. On entendra la voix du sang. La voix du sang. La voix du sang. La voix du sang. La voix du sang de Jésus. Chale karama chakata la mani. Là où il est, tu sentais que tu avais besoin d'aide. Parce que ta voix seule
ne suffisait pas à déplacer cette montagne. Là où hier tu sentais qu'il te fallait du soutien, ce soir, cette main sur ta tête, j'appelle le téléchargement d'une nouvelle autorité, le téléchargement d'une nouvelle puissance. Ta voix retentira. Ta voix retentira comme le tonnerre. 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 Tu parleras, ça s'accomplira. Tu ordonneras, il cédera. Reçois cette parole. Tu peux acclamer, 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 tu peux acclamer. Ce soir, à ceux qui ont décidé d'obéir, pour ceux qui ont décidé d'obéir, tu fais toutes choses nouvelles. C'est une nouvelle alliance. Nouvel élan, c'est une nouvelle impulsion. C'est uniquement pour ceux qui ont décidé d'obéir et qui sont déterminés à rester obéissants. Nouvelle alliance, nouvelle impulsion, nouvelle hauteur, nouveau sommet, nouvelle stature. Nouvelle voix, nouvelle autorité, nouvelle assurance, nouvelle vision, nouveau don, nouveau revêtement, nouveau grade. Un pacte s'entretient. Tu ne regretteras pas d'avoir choisi la bonne parole. L'obéissance te fait rentrer dans l'abondance. C'est une nouvelle saison. Nous recevons. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as téléchargé, et nous allons l'activer, Père, avec une offrande d'action de grâce. Et nous te remercions. Rien de ce que nous pourrions faire ne sera suffisant. Nous apportons une offrande d'action de grâce pour sceller ce que tu as fait et pour dire merci parce que tu as eu compassion de nous, pour te dire merci pour la qualité de la parole que tu nous envoies chaque semaine, qui nous délivre de la folie, qui renouvelle notre intelligence, qui nous révèle les tactiques, les ruses du diable.
qui nous sauve du séducteur, nous sauve du tentateur, nous sauve de l'accusateur. La révélation de ta parole n'est pas un acquis. Il faut rendre grâce lorsque la parole est révélée. Lorsque la parole vient du trône, pas de l'intelligence humaine. Lorsque la parole est le résultat de choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui n'est pas montée dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu révèle par le Saint-Esprit. Bien-aimé, ça nécessite l'action de grâce. La plus grande gratitude. Parce que, à travers cette série d'enseignements sur l'obéissance, le Seigneur vient de délivrer nos années, notre futur et notre postérité d'une fosse certaine préparée par l'enfer, préparée par le royaume des ténèbres. Il n'y a aucune offrande qui pourrait être suffisante pour dire merci parce que ton futur a été délivré et ta postérité a été délivrée. Il n'y a rien que tu ne puisses faire qui soit suffisamment convaincant pour dire merci à Dieu. Aucune offrande ne peut égaler le dépôt spirituel. Aucune. Néanmoins, avec la simplicité de notre cœur, mais nous apportons ce soir pour ceux qui le peuvent, sinon dimanche, avec nos dîmes, nous voulons sceller, confirmer, boucler, ficeler cette alliance nouvelle. De 30 ou de 3. De 30 ou de 3, un multiple. Mais je n'ai pas envie de dire 3. Parce que il n'y a rien que tu puisses faire qui soit suffisamment fort pour une vie rachetée et pour une postérité délivrée. Vérité, même quand je dis ça, c'est juste pour sceller ce que tu as fait. Sois humble avec cette offrande. Tu n'as rien acheté. Tu n'as rien accompli de significatif. Il n'y a rien qui peut égaler le dépôt de la parole. Amen. Nous allons faire cette offrande. Et tu vas incliner la tête, je vais prier. Parce que c'est 3 jours qu'on a pris dans sa présence. Voilà pourquoi il y a un 3 avant. 3 jours de restauration. 3 jours spéciaux. Même si tu n'as pas encore ton offrande, tu la remets tout à l'heure. Je vais prier. Tiens-toi debout, s'il te plaît, si tu veux. Quand tu fais une offrande à Dieu, arrange-toi toujours pour que chaque offrande qu'on dit spéciale, arrange-toi toujours pour que ce soit une offrande
qui t'écoute, qui a un caractère pas ordinaire, mais exceptionnel. Chaque fois qu'une offrande est une offrande spéciale, donne-lui ce caractère spécial, toujours, en apportant ce qui n'est pas ordinaire. Donc si je dis un multiple de 30 et que c'est trop peu pour toi, tu peux mettre 300, 600, 120, 150, mais un multiple de 30. Mais va toujours, ne finis pas tout, parce que tu as dimanche, tu as la dîme et les offrandes, le dimanche suivi, tu as les bâtisseurs. Si tu as de la marge, non abondamment, constitue un stock de semences abondantes. Amen. Donnez-moi une enveloppe. Donnez-moi une enveloppe. Seigneur, merci. Même si tu n'as pas d'enveloppe, tu peux juste lever la main. Répète avec moi, Père, par cette offrande d'action de grâce, je sais pour moi et pour ma postérité, je sais le triomphe de ta miséricorde, la manifestation à cause de mon obéissance d'une nouvelle dimension appelée abondance. Je sais une alliance nouvelle. Parce que tu as dit que tu fais toutes choses nouvelles. Fini la rareté. Désormais, l'abondance dans tous les domaines sera mon partage et celui de ma postérité. Merci pour la grâce, l'honneur, le privilège de donner que tu m'accordes. Merci de mettre la semence dans ma main, au semer, au nom de Jésus. Amen. Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père, communion du Saint-Esprit soit notre partage. Merci Père, parce que désormais et assurément, le bonheur, la grâce, la miséricorde, à cause de notre obéissance, nous accompagnera sur le chemin de l'abondance. À travers nous, tu encourageras des multitudes. Tu leur montreras que ça vaut la peine de choisir la bonne part. La part de l'obéissance à la parole de Dieu. Qui nous fait racheter le temps et rectifier la trajectoire de vie mal commencée. Et désormais, nous finirons bien. Parce que désormais, le Saint-Esprit a le pouvoir. Honneur, louange et gloire à celui qui fait cette œuvre. Il a commencé et qui la rendra parfaite. Dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié, célébré avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Excellente soirée à chacun d'entre vous.
saluons-nous les uns et les autres. Et je veux que tu dises à trois personnes, tu as choisi la bonne part. La part de l'obéissance à la parole.